Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeries. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes coups de cœur pour l'été. Alors mon premier coup de cœur, c'est Le Signal de Maxime Chatham. Donc c'est la famille Spencer qui vient de quitter leur bel appartement de la ville de New York pour s'installer dans une petite ville, plus à la campagne, qui s'appelle Mahingan Falls, dans une très belle maison. Ils viennent chercher la paix, la tranquillité, le calme. Mais ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Il va commencer à se passer plein de choses très bizarres. D'abord, des suicides, des disparitions, et puis des cris inhumains qui passent par la radio. Que se passe-t-il dans cette ville isolée? Donc là, on est dans un roman d'horreur dans la pure tradition. L'histoire commence doucement, présentation des personnages, de la ville, et puis le rythme s'accélère, sans nous laisser le temps de respirer. Frisson garanti. Mais attention à ne pas laisser entre toutes les mains. Si vous aimez Stephen King, vous aimerez ce livre. Alors maintenant, je vais vous parler de mon deuxième coup de cœur. C'est « Je t'aime » de Barbara Abel. L'histoire commence avec Maud, mère divorcée de deux enfants qui vient de retrouver l'amour auprès de Simon. Et lui a une fille, Alice, de 18 ans. Ayant perdu sa mère, Alice n'accepte pas du tout l'arrivée de sa nouvelle belle-mère. Et cela crée de nombreuses tensions dans la famille. Alors, quand Maud découvre Alice en train de fumer du cannabis dans sa chambre en cachette, elle décide de la couvrir, en espérant que cela apaisera les tensions. Oui, mais voilà, elle ne savait pas que cette décision allait avoir de terribles conséquences. L'histoire nous plonge dans les tourments d'une famille recomposée. L'auteur arrive très bien à dépeindre la psychologie des personnages et surtout la dualité de l'être humain. Il y a du bon et il y a du mauvais dans chaque personne. Et finalement, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Alors maintenant, je vais vous présenter mon troisième coup de cœur. Cette fois-ci, il s'agit d'une bande dessinée. C'est She de Zidrou et José Homs. Londres, 1851. Pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse exposition universelle, le cadavre d'un nourrisson est enterré dans le jardin où a lieu l'exposition universelle. Une noble anglaise, ayant assisté au drame, va essayer d'élucider cette affaire. Et pour commencer, elle va rechercher la mère du bébé, qui est une japonaise qui a été enfermée dans un asile. Les deux femmes, que rien ne lie, vont s'unir pour exposer la face cachée d'une terrible machination. C'est une très belle bande dessinée. Il y a du mystère, de l'aventure, un peu de fantastique, et surtout deux femmes au caractère bien trempé, qui vont se battre contre une société patriarcale et misogyne. Le graphisme dépeint très bien l'époque victorienne. Il y a déjà 3 tomes de paru et j'attends le 4e avec beaucoup d'impatience. Au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeries. Thank you.